merci à tous pour vos différents votes, même si parmi vous, il y en a qui n'ont peut-être pas voté pour nous, hein, c'est possible. on va vous faire et puis, plus qu'une initiative, c'était un vrai plaisir de faire ce voyage cet été, avec le drapeau ukrainien derrière nous. Et on espère le faire flotter encore au moins un été à l'arrière de notre remorque pour le prochain voyage de Lviv à Lyon l'été prochain. Après, un drapeau, ça fait toujours poser des questions. On s'est posé des questions, voilà. Pourquoi, comment, d'où ça vient ce drapeau, pourquoi, par quelle manière, voilà, et du coup, tous les jours, on arrêtait de parler d'Ukraine. Après chaque fois, tous les jours, on a eu quelqu'un qui a entendu parler d'Ukraine, ou la situation difficile, ou quand c'était à l'époque, ou voilà, de leur image, qu'on avait dans leur tête, et chaque fois, c'était toujours les gens, ils ont essayé de se rappeler ce qu'ils savent d'Ukraine, en fait. Et chercher plus d'informations et chercher à savoir plus et se renseigner. Donc moi je trouve que c'était un super projet. C'était pas facile d'en parler tous les jours, mais quand même. On imagine. C'était une petite mission. On imagine.